Trucs et astuces du Motorola Moto G54 Fonctionnalités cachées. Comment effectuer une réinitialisation matérielle sur Motorola Moto G54 Si vous souhaitez vous débarrasser de toutes les données indésirables telles que les applications, les médias et les fichiers système, suivez les étapes mentionnées ci-dessous. 1. Appuyez d'abord simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pendant quelques secondes. 2. Relâchez tous les boutons une fois que vous voyez le mode Fastboot. 3. Utilisez le bouton volume pour sélectionner récupération et utilisez la touche marche. Arrêt pour le confirmer. 4. Une fois que le robot Android apparaît. Appuyez simultanément sur les touches d'augmentation du volume et d'alimentation. 5. Utilisez à nouveau le bouton volume pour sélectionner Wipe Data, Factory Data Reset et le bouton d'alimentation pour confirmer cela. 6. Sélectionnez maintenant réinitialisation des données d'usine à l'aide du bouton volume et appuyez sur la touche marche, arrêt pour le confirmer. 7. Une fois la réinitialisation terminée, sélectionnez Reboot System Now à l'aide des touches de volume et confirmez-la en appuyant sur le bouton d'alimentation. Comment effectuer une réinitialisation d'usine sur Motorola Moto G54 Suivez les étapes pour effectuer une réinitialisation d'usine sur votre Motorola Moto G54. 1. Cliquez sur l'icône Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Système. 3. Sélectionnez Options avancées, puis sélectionnez Réinitialiser les options. 4. Cliquez sur le bouton effacer toutes les données. Comment ajouter une empreinte digitale sur Motorola Moto G54 Si vous souhaitez configurer la sécurité des empreintes digitales sur votre Motorola Moto G54, Suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Sécurité. 3. Appuyez maintenant sur Empreinte digitale. 4. Choisissez maintenant n'importe quelle méthode alternative d'écran de verrouillage comme un modèle, un code PIN ou un mot de passe. 6. Si la méthode du motif est sélectionnée comme écran de verrouillage alternatif. Dessinez le motif, appuyez sur continuer, redessinez le motif, puis appuyez sur confirmer. 7. Placez maintenant votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et enregistrez-vous pour la méthode de reconnaissance d'empreinte digitale. 8. Cliquez sur le bouton terminer lorsque vous avez terminé. Comment ajouter un mot de passe de l'écran de verrouillage dans Motorola Moto G54? Si vous souhaitez ajouter un mot de passe d'écran de verrouillage sur votre Motorola Moto G54, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Sécurité. 3. Appuyez maintenant sur Type de verrouillage d'écran. 4. Sélectionnez n'importe quelle méthode de verrouillage d'écran en fonction de vos besoins. 5. Choisissez maintenant n'importe quelle méthode alternative d'écran de verrouillage comme un modèle, un code pin ou un mot de passe. 6. Si la méthode de motif est sélectionnée comme écran de verrouillage, dessinez le motif. Appuyez sur continuer, redessinez le motif, puis appuyez sur confirmer. 7. Enfin, appuyez sur le bouton terminer. Comment bloquer n'importe quel numéro de téléphone sur Motorola Moto G54 Si vous souhaitez bloquer ou mettre sur liste noire un numéro de téléphone sur votre Motorola Moto G54, suivez ces étapes. 1. Ouvrez l'application de numérotation téléphonique. 2. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran. 3. Cliquez sur Paramètres pour l'ouvrir. 4. Appuyez maintenant sur bloquer les numéros pour l'ouvrir. 5. Cliquez sur ajouter un numéro de téléphone et entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer. 6. Appuyez maintenant sur le symbole, plus, vous avez réussi à bloquer le numéro. Comment changer la langue dans Motorola Moto G54? Si vous souhaitez changer la langue actuelle de votre Motorola Moto G54, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez Système et choisissez Langue et saisie. 3. Cliquez maintenant sur Langue. 4. Cliquez sur Ajouter une langue et sélectionnez la langue que vous préférez. 5. Si vous souhaitez le définir comme langue par défaut, Cliquez simplement sur son icône et faites défiler vers le haut de la liste. Comment activer ou activer le mode sombre dans Motorola Moto G54 Suivez les étapes pour activer ou désactiver le mode sombre sur votre smartphone Motorola Moto G54. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez Affichage, puis choisissez Avancé. 3. Appuyez sur le commutateur mode sombre pour l'activer. 4. Cliquez sur OK. 5. Bravo, le mode sombre est désormais activé. Comment trouver l'adresse IP du téléphone sur Motorola Moto G54 Pour trouver l'adresse IP de votre Motorola Moto G54, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez statut pour trouver l'adresse IP. Comment trouver le numéro IMEI de téléphone sur Motorola Moto G54 Pour trouver le numéro IMEI de votre Motorola Moto G54, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez Statut pour trouver les détails IMEI. Comment activer ou activer la fonction Ne pas déranger dans Motorola Moto G54 Suivez le moyen le plus simple d'activer la fonction Ne pas déranger sur Motorola Moto G54. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez le son et appuyez dessus. 3. Appuyez sur l'onglet Ne pas déranger. 4. Cliquez sur Activer maintenant pour l'activer. Comment récupérer des contacts ou des données supprimées dans Motorola Moto G54 Si vous supprimez accidentellement un numéro et souhaitez le récupérer, vous pouvez utiliser un outil très puissant appelé ISUS MobiSaver. Saver. Cet outil vous aide à récupérer d'autres fichiers tels que des films, des photos. Des MP3 et des SMS. Vous pouvez également utiliser cet outil pour sauvegarder vos données sur votre ordinateur. Que faire si vous avez oublié votre code PIN Motorola Moto G54 Si vous avez oublié le code PIN, veuillez ne pas le saisir plus de deux fois. Car cela entraînerait le blocage de la carte SIM de votre Motorola Moto G54. Vous devez contacter votre fournisseur de services et demander le code PUC pour débloquer votre Motorola Moto G54. Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité de votre Motorola Moto G54 Si vous avez oublié le mot de passe de sécurité de votre smartphone Motorola Moto G54 vous pouvez toujours essayer une réinitialisation matérielle, mais ce faisant, vous perdrez toutes les données de votre appareil. Comment rendre mon Motorola Moto G54 plus rapide Il existe plusieurs manières de rendre votre Motorola Moto G54 rapide. 1. Effectuez un nettoyage inutile des applications. Supprimez toutes les applications téléchargées ou les données que vous n'utilisez plus. 2. Supprimez les applications préinstallées. Ces applications préinstallées occupent de l'espace indésirable, ce qui peut ralentir votre téléphone. 3. Essayez de déplacer tous vos fichiers multimédia du stockage interne vers une carte mémoire. Externe. 4. Gardez votre téléphone mobile à jour. La version du logiciel toujours mise à jour s'accompagne d'améliorations de performance et Supprime la plupart des bugs qui ralentissent votre smartphone. 5. Essayez de redémarrer votre smartphone une fois par jour. 6. Si votre téléphone est toujours en retard ou devient très lent, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine. Comment mettre à jour Motorola Moto G54 Pour mettre à jour votre Motorola Moto G54 avec la dernière mise à jour logicielle. Procédez comme suit. 1. Appuyez sur l'application paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et cliquez sur mise à jour logiciel. 3. Téléchargez maintenant la dernière mise à jour du logiciel en cliquant sur le bouton Télécharger maintenant. 4. Appuyez maintenant sur mettre à jour maintenant pour mettre à jour l'appareil vers la dernière version. 5. Le téléphone va redémarrer, veuillez ne pas l'éteindre pendant la mise à jour du téléphone. Pendant la mise à jour, assurez-vous que votre smartphone doit être chargé à au moins 70%. Que faire si le Motorola Moto G54 ne s'allume pas Si votre Motorola Moto G54 ne s'allume pas, vous pouvez essayer certaines de ces étapes. Connectez d'abord votre Motorola Moto G54 au chargeur et à l'alimentation secteur pour exclure qu'il s'agisse d'un problème de batterie faible. 2. Si le téléphone s'allume, c'est parfait, sinon, vous pouvez désormais profiter du confort ultime sur votre smartphone. 3. Si votre Motorola Moto G54 ne réagit pas à la réinitialisation d'usine. Il est probable qu'il y ait un problème de batterie, une carte mère cassée ou un problème d'écran. 4. Puisqu'il n'y a plus d'options pour le moment, vous devez vous rendre au centre de service. Que faire si votre Motorola Moto G54 tombe dans l'eau Comment le sauver des dégâts des eaux Découvrez nos trucs et astuces Motorola Moto G54 pour protéger votre smartphone des dégâts des eaux. 1. Si votre Motorola Moto G54 tombe dans l'eau et s'éteint, n'essayez pas de l'allumer immédiatement pour vérifier s'il fonctionne ou non. Car cela pourrait provoquer un court-circuit interne. 2. N'essayez pas de charger votre smartphone. 3. N'essayez pas d'appuyer sur tous les boutons pour voir s'il fonctionne ou non. 4. Ne soufflez pas d'air dans les ports de charge ou audio. 5. Surtout, N'utilisez pas de sèche-cheveux ni de micro-ondes pour éliminer l'eau. 6. Si votre téléphone est toujours allumé, assurez-vous qu'il est éteint. 7. Essuyez l'eau à l'aide d'un chiffon. 8. Retirez la façade arrière, la carte SIM et la carte mémoire à l'aide. Puis séchez-les avec un chiffon. 9. Une fois que vous avez retiré la façade arrière, la carte SIM et la carte mémoire, Essayez de les sécher à l'aide d'un aspirateur au lieu d'un sèche-cheveux. Comme le vide crée une aspiration inversée et empêchera l'eau de pénétrer davantage. 10. Une fois que vous êtes sûr que l'eau a été éliminée, conservez le mobile dans un sac de riz non cuit pendant au moins deux jours. Vous pouvez également utiliser des sachets de silice à la place du riz non cuit. 11. Retirez le téléphone portable après deux jours et vérifiez s'il reste de l'humidité. Après, vous êtes rassuré que vous pouvez désormais utiliser votre smartphone. Comment télécharger des vidéos YouTube sur Motorola Moto G 54 Pour télécharger des vidéos YouTube sur Motorola Moto G 54, vous devez télécharger une application tierce appelée TubeMate. À la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo.